Café à Mouchini. Les gars, café à Mouchini. Matnitin, Katina va la fin de Jamoud, Matnitin. Minamodjaim, Bolifnim, Nemanim, avec les Hales, Minamodjaim, Velachos, et Nemanim. Donc, rappelons que dans notre première Mishnah, on a vu c'est quoi les Humrot qu'il y avait dans Kodesh par rapport à Trouma. Maintenant, on va voir, on a déjà commencé à voir les Humrot qu'il y a dans Trouma par rapport à Kodesh. D'accord, le concret. Alors, le Tanaï continue. Minamodjaim, c'est un endroit. Comme il dit Rashi que Mojaïn, c'était à 15 km de Yerushalayim. D'accord ? À 15 km de Yerushalayim, donc Yerushalayim, c'est là, 15 km. À partir de cet endroit, Mina Mojaïm, Velifnim, les vendeurs de marmites, d'accord ? Qu'on a besoin pour faire les korbanos, etc. On croit, quand il nous dit, on a fait attention que la marmite ne soit pas Tamea, pour pouvoir l'utiliser dans le Beit HaMikdash. On va les croire. D'ailleurs, bien sûr, plus proche de Yerushalayim, plus on va autoriser. Mais plus loin, on ne va pas autoriser. Ça veut dire, mais pourquoi on autorise? Pourquoi on leur fait confiance? Parce que Yerushalayim, on a interdit de faire des fabrications de, parce que ça, de fours, de fourneaux. Pourquoi? Parce que ça fait de la fumée. Rashi expliquera plus tard que ça va noircir la chroma de Yerushalayim, la muraille de Yerushalayim. Comme c'est quelque chose qui n'est pas agréable, pas bien, pas top, c'est la raison pour laquelle on a autorisé, les fours, ils sont que en dehors de Yerushalayim. Les fabrications, donc les fabricants aussi en dehors de Yerushalayim. Donc on a autorisé à partir de cet endroit-là, Mina Mojaïn et Velifnim, tout ce qui est de Mojaïn et vers l'intérieur, d'accord, de Yerushalayim, 15 km autrement dit, eh bien, on a autorisé de prendre, d'acheter chez eux les Kliheres. Par contre, Mina Mojaïn, Velachos et Nemanim. Qu'est-ce que ça? Attendez, je vais expliquer un peu plus. Hakadar, Shu Mocher Agderot, Niknas Lifni Minamojain, ou Hakadar, Vehen Agderot, Vehen Alokhin, Neeman, Yasa, Eno Neeman. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Kadar, Shu Mocher Agderot. Le Kadar, c'est qui le Kadar? C'est le fabricant. Il faut que ce soit le fabricant lui-même qui te vende la marchandise qu'il a fabriquée. Le fabricant, c'est lui le vendeur. Et si le fabricant, ce n'est pas le vendeur, le fabricant, il a vendu à quelqu'un qui lui va te vendre. Non. Quand on a autorisé, on a restreint l'autorisation. D'accord ? Akadar, Sheu Mocher Akderot, Nichnas Lifnim. Quand il rentre à l'intérieur, Mina Mojaïn, ça veut dire de la partie de Mojaïn vers Yerushalayim, la partie intérieure. Ou Akadar, c'est lorsque lui te vend. Vehen Akderot, et ce sont ses Akderot à lui. D'accord ? Ça veut dire quoi, ces Akderot à lui ? Tu ne peux pas les mettre dans, avec les Akderot de quelqu'un d'autre. Tes Akderot à toi, tu les vends toi. Tu ne peux pas dire, voilà, lui aussi, il vend. De toute façon, je le donne à lui, les Akderot. Non ! Tes Akderot à toi, que toi, tu vends. D'accord ? C'est cela qu'on fera attention. Vehen alokhin. Et c'est eux les acheteurs. C'est quoi, vehen alokhin ? Rashi dit, haverim shera'u she'evian. Ça veut dire, même le Kadar, regardez, ça c'est Mojaïn. Ça, c'est Yerushalayim. De là à là, à 15 km. Le Kadar, à partir de là, on fait confiance. Même si maintenant, il a fabriqué ici, il les a amenés là. D'accord ? Toi, tu l'as vu. Toi, le Haver, tu l'as vu. Tu peux acheter. Toi, le Haver, tu l'as vu. Tu peux acheter là. Et tu les amènes au Beit HaMikdash. Tu fais ta marmite. Tu commences la mine. J'en sais rien. D'accord ? On va venir là-bas. D'accord ? Voilà ce que nous dit le Tana. Si par contre le même Kadar il est sorti avec ses mêmes cruches là, tu ne peux plus acheter. Même s'il va dire mais dis-moi, j'ai fait attention, comme rien du tout. On a autorisé, c'est uniquement à partir de là, de Mojaïn Velifni. Bon, voilà pour la Mishnah. On prend ça. Et tiens.
Ok. Gemara. Tana. Là, on va voir une braïta dans la Gemara qui va, alors que dans la Mishnah, quand on a lu le chat de la Mishnah, on a compris que Mojain, à partir de Mojain, Mojain inclus, d'accord, c'était bon, comme ça on a compris. À partir de Mojain, c'était bon, vous pouvez acheter les verres de chez le Hamas, Radar. Eh bien, la braïta, elle va faire une différence, pas tout le temps. Tana, Mojain, Paramim, Kelefunim, Paramim, Kelachos. Mojain, parfois il a le djinn comme l'entre Mojain Yerushalayim, et parfois il a un djinn comme l'extérieur. Kessad, vous comprenez, parfois Mojain tu peux acheter, parfois tu ne peux pas acheter. Pourquoi? Kessad, Kadar Yose, pas pourquoi, c'est quoi les cas? Kadar Yose, Vehaver Nichnas. Alors imaginez-vous, ça c'est Mojain. Oshaim, c'est là. Et le Kadar, il sort. Il va par là. Et toi, tu es un Haver, tu viens par là. Alors, est-ce que tu peux acheter ici? Tu peux acheter. Parce que si tu n'achètes pas là, lui part par là. Et toi, tu vas par là. D'accord? Donc, tu ne pourras plus acheter. C'est la raison pour laquelle Mojain, lieu de rencontre, a. Alors, le Kadar, il a ses marmites et lui, il va aller là-bas. Il prend ses marmites, il voyage avec, il va là. Ça, c'est Mojain. Toi, tu viens de Haïfa, tu vas à Yerushalayim. Ouais, tu as besoin de marmites. Tu le rencontres ici, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes. Tu peux. Là, ça sera bon encore. Pourquoi? Si tu n'achètes pas maintenant, quand tu vas acheter, lui, il s'en va et toi, tu t'en vas. D'accord? Et reculer, tu ne peux pas. Parce que là, il n'a pas le droit non plus. Donc là, tu pourras acheter. Là, on n'a pas le droit. À partir de Mojain et Yerushalayim, tu peux. On ne peut pas acheter de chez le Kadar parce qu'il est à Maharis. On ne peut pas acheter de chez le Kadar à Maharis lorsqu'on est en dehors de Mojain. OK? Donc, si c'est Mojain, c'est bon. Si c'est entre Mojain et Yerushalayim, c'est bon. Et la Gemara est en train de te dire, c'est quoi le cas où Mojain, c'est bon? C'est quand toi, tu viens vers Yerushalayim. Et lui, il s'en va de côté de l'autre côté. Si là, tu n'achètes pas ici, tu ne pourras pas acheter. D'accord? Donc, dans ce cas-là, Mojain sera autorisé. Par contre, donc, il y a ça, on est où là? Qu'est-ce que ça? Kadar Yosef, Haver Nichnas, qu'il est fini. Shnehem Nichnasin, ou Shnehem Yosin, si les deux ils rentrent, ou les deux ils sortent, les deux ils rentrent, ou les deux ils sortent, tu n'achètes pas. Tu ne peux pas acheter ici. Pourquoi? Quand les deux y rentrent, bah, tu peux attendre, tu achètes là. Il n'y a pas de raison que tu achètes là, tu peux acheter là. D'accord? Et quand les deux y sortent, pourquoi je ne t'autorise pas d'acheter ici? Parce que tu étais avec lui avant. Pourquoi tu n'as pas acheté là? Pourquoi tu n'as pas acheté à cet endroit-là, avant Mojain? Alors, si tu n'as pas acheté là, tant pis, tu n'achètes pas là non plus. Tant pis pour toi. D'accord? Point. Amal Abaye, dis Abaye, le hilouk que tu as fait, que Mojain parfois ça indique que l'ifnim, parfois ça indique que la hous, ouais, on le voit dans la Mishnah. Afana namitanina, akadar se makar et akderot, venichnas l'ifnim ina Mojain. Vous avez vu le Tana comme il a dit, le kadar, il est rentré à l'intérieur de Mojain, c'est-à-dire, mina Mojain et l'ifnim. Ouais, il est entre Mojain exclu et Yerushalayim. D'accord? Tu peux acheter de chez lui. La raison, c'est parce que c'est à l'intérieur de Mojain. Ça veut dire entre Mojain exclu Yerushalayim. Oui. Ah, Mojain Goufa, l'homme est mal. J'en déduis que Mojain lui-même, je ne le crois pas.
Continue le Tana. Emma Sefa. Viens, on lit la Sefa. Yaza, Enoneman. S'il est sorti de Modjain, tu ne le crois pas. Ah, et s'il est Modjain, tu le crois. Tu vois le Jiok à l'envers. Yaza, Enoneman. Amodjain Goufa, Neman. Donc tu vois que de la Mishnah même, tu vois que parfois Modjain, on le croit. Et parfois Modjain, on ne le croit pas. Pourquoi? Comment j'explique la Mishnah? Et là, la haut, Shmamina, Kalbe Kadal Yosef, Havel Michnas, Kalbe Mishnem Yosin, Oshnem Michnasin. Shmamina. Très bien. N'est-ce pas donc que dans le cas où Modjain, c'est Kelifnim, c'est parce que le Kadal il sort et toi tu rentres. Et dans le cas où Modjain, c'est Kelahouz, c'est parce que les deux vous rentrez ou les deux vous sortez. Comme on a expliqué là-haut. Très bien. Tana. Ne'emanim bikli heres adakim la kodesh. Tana nous dit, on les fait confiance au Amaharis. Quand il nous dit, on a fait attention à la tahara de l'ustensile qu'on a fabriqué en argile. Mais attention, on parle des kli heres adakim. Les kli heres qui sont fins. Fin, ça veut dire, je ne sais pas comment définir fin les mains. Rachid dit quoi? Ce sont des ustensiles qu'on ne peut pas s'en passer, des marmites. On est obligé d'en avoir. Des petites cruches pour pouvoir verser le vin, on est obligé d'en avoir. Mais des grosses cruches pour le vin, pour stocker, ça gassine, tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin. Donc, dans ce, on ne fait pas confiance aux kadarim qui sont à Maharas, Finamodjain. On fait confiance uniquement pour les ustensiles qu'on a beaucoup besoin. D'accord. Comme si on ferme un œil, bien qu'on ne fait pas en général confiance au Amaharis, ici, comme on a tellement besoin, on va fermer hein, les yeux. D'accord. Amaharis l'affiche. Réou, chenitalin, biyado, ahat. Véla, biyohanan. Amaharis, chenitalin, biyado, ahat. Il y a une mahlok qui est en train de chapitre, c'est biyohanan. Selon les chapitres, il faut que cet ustensile tu puisses le porter avec une seule main. Alors que selon la biyohanan, ce n'est pas grave, même si tu peux le porter avec deux mains. Tu dois le porter avec deux mains. Quand même, je l'autorise. Dès l'instant, c'est un ustensile qui est nécessaire. Amal Shapish. L'Oshanu, oui, Amal Shapish, c'est mieux. D'accord, l'Oshanu, Ella Rekanim, Aval Meleimlo. Ce que je t'ai autorisé d'acheter chez le Kadar Amaharis, c'est lorsque la Kdera, la marmite que tu achètes chez lui, elle est vide. Il n'y a rien dedans. Et tu dis, elle est Théora. Hein? Oui, c'est bon. Mais si la marmite, elle est pleine de liquide, de vin, de ce que vous voulez, d'accord? Eh bien non. Pourquoi? Parce que leur nourriture, je la considère comme mère, donc la cruche, elle n'est pas bonne. C'est uniquement lorsque la cruche, elle est neuve, il n'y a aucun problème, il n'y a rien eu dedans. Et dans ce cas-là, je dis au Amal, c'est bon, tu peux acheter chez lui. Tu peux acheter chez Amal. Le chanou est là, le taling, aval mele in la verbiu halal amar. Et Rabbi Yochanan, il dit, un fil ou mêlée, même si elle est pleine. Et un fil ou apikar souto le toko. Et même si son chapeau, là, son ruban, il était dans la cruche. Bien qu'a priori, les vêtements d'Amal, c'est Midras. On s'en fiche. La cruche, là, elle est Tehora. Pour Kodesh, on la considère Tehora. D'où je sais ça? Amarava. Et Amarava, ou modé Rabbi Yochanan, de Mashrim Asman, Shentmim. Cependant, Rabbi Yochanan, il sera d'accord que le mashke n'est pas bon. C'est bizarre, ça. Le mashke qui est dans la cruche, il n'est pas bon. Et la cruche elle-même, tu peux l'utiliser pour Kodesh. Ouais. Est-ce qu'on a déjà vu un cas similaire? Est-ce qu'on a peur qu'on a vu un cas similaire au bas? Hein? Ou est-ce qu'on a vu que la cruche, elle est bonne et la nourriture qui est à l'intérieur, elle n'est pas bonne? Ouais, pour avoir un réseau, est-ce qu'on a vu ça? Regardez, une cruche, elle est pleine de mashke. Lagin teme'im, tumat shiva, ou mashkin teori. Vous voyez ici, le mashke, alors on voit le cas, mais à l'envers. Le mashke, il va être taor, et la cruche, elle va être mea. Où est-ce qu'on a vu ça? On a vu ça chez Rabbi Yoshua. D'accord, Amar Yoshua, j'ai honte de vos paroles, Bet Shamay.
אפשר אישה לאישה בעריבה, אישה בעריבה תמיים שבעה ובסך טהור? לגין מלא משכין, לגין תמי, תומת שבעה ומשכין טהורים? כמו זה פוסיבל את אותו קונטרדיקטואר? כמו זה פוסיבל? הפה לפרטי השתתח, אתה יודע, קומחי לרזון. Il dit ce qu'il dit Rabbi Yohanan, Rava, il dit, ne t'étonne pas quand Rabbi Yohanan, tu l'écris chez les bonnes et le vin, il n'est pas bon. Ouais. La même chose, on a vu à l'envers, le vin, il est bon, elle a cru chez les pas bonnes. D'accord. Chez Alain Lagin, Bade Maskin, Lagin, Mehim, de Machua, oh Maskin, Théorin. Très bien. Nouvelle Mishnah. Allez, regardez ce passage-là. C'est pas très compliqué, hein. Ouais, pas très compliqué. On va essayer de faire jusqu'à deuxième grande ligne de Kavzaïn Amouchini. C'est tout. Amarabiabao. On fera que ça. Le Sioum, on fera que quelques minutes là-bas, même pas. Deux, trois minutes, cinq minutes. Ça nous prend comme ça. Madnitin. Agabaim, Shenifnesmou, Letor, Abay. C'est qui Gabaim ici, de qui on parle? On ne parle pas du Gabaï, le gentil. On parle des inspecteurs des impôts. Ouais. Alors, Agabaim, chez les Nesso, les temps travail, les Gabaim qui sont venus dans la maison, le Ren et la Ganavim, de même des voleurs, chez Régil ou Etakeli, voilà, chez Régil ou Etakeli, ils ont restitué leur kelim, ils font le chemin de chemin journée. Manim l'omar l'onagano. On les croit quand ils disent on n'a pas touché. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez la chine. Agabaim Israël, ce sont des juifs. Shehen gabaim la melech, les melech nochri, les gabot miyad Israël, gurgaliot ou matim vanoniot. Des taxes. T'as pas donné, t'as pas un, ils rentrent dans la maison du juif et font tac, tac, tac. Ok? Voilà. Ou bien, maintenant, eux, ils peuvent toucher ce qu'ils veulent. Maintenant, ils te disent, on ne l'a pas touché là. Est-ce que tu fais confiance ou tu ne fais pas confiance? Alors, on fait confiance. De même, le voleur, il vient, il te restitue l'objet, il dit, écoutez, je n'ai pas touché l'objet, l'intérieur, ou j'en sais rien. Il dit, c'est bon, tout est à or. Hein. Tu fais confiance ou pas? Oui, le juif toujours. Ganavim, Cheganmo, Klihes, Verhezirun. Regardez Rashi, Neemanim Lomar, Lonaganu, Letocho. On fait confiance quand ils nous disent on n'a pas touché à l'intérieur. Et Rashi fait attention, il dit attention, hein. Je ne suis pas d'accord, mais Rashi pense comme ça. Oui, la Kodesh. On parle pour Kodesh. Encore une fois, on voit une Kula dans Kodesh, alors que Trouma, on est Mahmir. Et Rashi rapporte que ce qu'il dit, c'est vrai. Il y a une Tosefta qui dit cette chose-là. D'accord, Avalo, le Trouma. Des Kula Matnidin, parce que toute la Mishnah ici, elle parle des Khumrot qu'il y a dans Trouma par rapport à Kodesh. Elle amène une preuve d'une Tosefta. Donc, quand on a dit ici chez nous qu'on croit, c'est uniquement pour Kodesh. Ça veut dire qu'on considérera le vin, tu vas toucher une cruche de vin, que le vin, il est bon pour la libation de vin. Les Sorama, Ayay, d'accord? Mais si maintenant c'est une cruche de Trouma, eh bien, le Kohen ne pourra pas manger, on considérera que la Trouma, elle est Tmea. Je continue. Au Birushalayim, Ne'emanim à la Kodesh. Rashi dit, on met Faresh Begmara, donc on va patienter. Au Besharat Aregel, Afala Teruma. Et en période de fête, on fait confiance même sur la Teruma. D'accord, on fait confiance à Mars, même sur la Teruma. On verra d'où on sait ça dans la Gemara. Gemara, au Minhi, à la Mishnah, on a vu que les Gabaim qui rentrent, on leur fait confiance, n'est-ce pas? Demande à Gmara, Olmini, Agabem, Shinif, Nisou, Letor, Abait, Abait, Koulot, Amé. Toute la maison, elle est Mea. Oui? C'est-à-dire, on s'en fiche de ce que tu dis, je n'ai pas touché, on considère que toute la maison, elle est Mea. La Kachia, la Gmara, elle dit, ce n'est pas une Kachia. Adeka, Nokri, Badayou. Adeka, Nokri, Badayou. Si, avec le commissaire au compte, enfin, l'inspecteur des impôts, il y a un goy avec lui, là, tout est tamé. Tu ne peux pas faire confiance à ce qu'il va te dire, le juif. Et si il n'y a pas avec lui, tu peux lui faire confiance. Tu dis, je n'ai pas touché là, il n'a pas touché là. D'accord? On va expliquer, la Gemara va expliquer par la suite exactement pourquoi. Agabem, Shalom, Torah, Baït, Abait, Kolot, Amé, Lakashia, Adekan, Nokri, Badayou, Adekan, Nokri, Badayou, Détenard.
comme effectivement on a enseigné plutôt des Tanya plutôt, im yesh nochrim ahem nemanim lomar, si un goy avec eux, ils sont crus s'ils disent on n'est pas rentré dans cette pièce là. Mais s'ils disent on est rentré dans cette pièce là mais on n'a pas touché, on ne les croit pas. Nemanim lomar lo nichnasu, aval en nemanim lomar, on les croit pas quand ils disent nichnasu, aval lo nagan. On est rentré, mais nous n'avons pas touché. Tu ne fais pas confiance. Pourquoi on ne fait pas confiance qu'il y a un ordi avec eux? Pourquoi on ne ferait pas confiance? Un, il te dit que la raison, c'est parce qu'il a peur, le juif, il a peur du ordi. Et l'autre, il va te dire parce qu'il a peur du malchut, la peur du royaume, du roi. Ça veut dire que s'il ne va pas tout fouiller, tout fouiner, ouais, il a peur que le roi, il... ouais, comme il y a le nochri avec lui, le juif. Même s'il n'y a pas de goy, il n'y a plus. Non, s'il n'y a pas de goy, il n'y a personne qui va cafeter. Ouais, et j'ai tout vérifié, j'ai rien trouvé. Là, il y a le goy avec lui, il va avoir peur. S'il ne va pas tout bien faire, le goy va, ouais. Alors, dis la Gmara. Mais non, il va lui dire qu'il n'a pas tout fouillé. Parce que s'il est rentré dans cette pièce-là, il va toucher. Parce que le goy qui est à côté de lui, il va regarder. T'as pas fouillé là? Ah, ok, je vais aller voir le roi. Ouais, il voit, il est là. Il est, c'est le. Comment on appelle ça là? Le. Ah, Bedamel. Ah! Si le goy est avec lui, il va voir comment le juif il travaille. Le juif, il va être forcé de travailler à fond. Il a travaillé à fond, mais il a fait, il a bien. Si l'autre est là pour contrôler, il a pas dit en fait, j'ai pas. C'est un mal, ce juif. Hein. Vas-y. C'est quoi l'intérêt de dire j'ai rentré, j'ai pas pesé par exemple? Non. Est-ce qu'il a un intérêt, le juif, de dire ça? Si j'ai rentré. C'est quoi la punition qu'il va avoir? Non, nous, on s'en fiche de ce qu'il nous dit. Nous, on ne fait pas confiance en Hamas. Ce qu'il nous dit. On ne considère pas que c'est quelqu'un qui est de confiance. On est d'accord? Alors, s'il nous dit, je suis rentré, je n'ai pas touché, il n'y avait personne avec lui, là, on ferme l'œil. Pour Kodesh, on ferme l'œil. On fait confiance pour Kodesh, pas pour Trauma, pour Kodesh. Ouais, même Trauma, on ne fait pas confiance. Mais s'il avait un goy avec lui, on ne fera pas confiance même dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'on considère que. Même si nous disons, en fait, il l'a fait. La pression, certainement, qu'il a touché parce qu'il a peur du goy. Il a peur du goy qui va capter au. D'accord. Bon, maintenant, la Gmala donne deux raisons. Un, il dit la peur du goy avec lui. Et l'autre, il dit la peur du malchut. La Gmala dit mal Benayou. Quelle est la différence entre les deux raisons? Et qu'un Benayou, nochri, chez nochachouf. Un nochri qui n'est pas important. Selon la raison qui dit Emata malchut, il va avoir peur, il va capter. Même il n'est pas rajout. Mais c'est lui qui dit non, c'est pas le, j'ai pas peur du malchut. D'accord, j'ai peur du goy lui-même. D'accord, alors si c'est un goy qui est pas rajout, j'aurais pas peur, donc je ne ferai pas mon travail. Je ne vais pas avoir peur de lui, je ferai ce que j'ai envie de faire. Voilà la framine entre les deux chiton. On continue. On a vu dans la Mishnah que les ganavim qui ont restitué. Les Kélim, on les croit. Ils ont dit, on n'a pas touché. Ah, Orminu, objection. Aganavim, j'ai notre souhait de rabbi. Enotame, elamakom, drissat, ragle, aganavim. Aganavim, attends, tagma. Aganavim, j'ai notre souhait de rabbi. S'ils sont rentrés à l'intérieur, enotame, elamakom, drissat, enomakom, enotame, elamakom, drissat, ragle, aganavim. N'étamé que l'endroit où les Ganavim ils ont piétiné. Là où ils sont passés, c'est tamé. Elle est où la question? Regardez la chi. Ela makom drisat ragle a Ganavim, mikol makom drisato miha tamé. Là où il a mis ses mains, ses pieds, c'est tamé. Mais kol sheken kelim, sheganu ve haziru. À plus forte raison, les Kélim qu'ils ont volé, que c'est tamé, et qu'ils ont restitué. Si même l'endroit où ils ont déposé leurs pieds, c'est tamé, quand chacun ce qu'ils ont pris de leur propre main, on considérera tamé. Pushia contre la Mishnah. La Mishnah nous a dit non,
Il te dit que je n'ai pas touché, je n'ai pas touché. Et nous, on dit, on s'en fiche, tu n'as pas touché. Tu dis ce que tu veux. Même si c'est ta règle, on dit que c'est ta mère. Alors, répond la Gemara à Amara Bipina Pinhas Mishmei Dera. Mais dans la Mishnah, pourquoi on le croit? Parce que le bonhomme, il a fait tshuva. Et s'il a fait tshuva, le gana, ça y est, il a fait tshuva. Il ne veut plus voler. La preuve, c'est qu'il a restitué l'objet. Si tu dis que je n'ai pas touché, crois-le. D'accord? Il a fait tshuva. Et dans le cadre de la braïta qu'on a rapportée, c'est un gana normal. D'accord? Ce n'est pas un gana qui a fait tshuva. Pourquoi? Ce qu'il a pris, ce qu'il a touché, là où il a déposé ses pieds, on rendra d'anglais tout tamé. Il l'a jamais rendu. On n'a même pas vu dans la bêta qu'il l'a rendu. Daikanami, dekatane, shehéziro, shehéziro et akelim. Shmaamina. Très bien. Obirushalem, nemanim ala kodesh. Tana. Nemanim al kleheres gassim la kodesh. Oh! À Yerushalayim, alors que dans la Mishnah précédente, on faisait confiance. Même pour les kelim d'akim, mais à partir de modirim. Parce que ce sont des ustensiles incontournables. On en a besoin. D'accord? On a fait confiance à partir de modirim. Modirim, intérieur, extérieur, on a discuté là-bas. Mais à Yerushalayim, à partir de Yerushalayim, même les kelim gassim ont fait confiance. Tana. Némanim al-Keliheres Gassim, al-Keliheres Gassim, la Kodesh. Encore une fois, d'après la Kodesh, ce n'est pas le Truma. Le Kolkar Lama. Et elle m'a dit, mais pourquoi on fait autant confiance, que ce soit Yerushalayim, ou bien Amina Mojain, comme il dit Raji. Pourquoi on fait confiance au Mahanes? Ouais. Et la réponse, elle est, pourquoi Shehen Osin Kifshonot Yerushalayim? On ne fait pas des fourneaux de fabrication d'ustensiles à Yerushalayim. On ne pas noircir, dit Rashi, comme ça Rashi l'a donné comme Zora, est-ce qu'il a une Zora, il a un Mekor, ça je ne sais pas. On ne pas noircir, Chomat Yerushalayim. On ne fait pas de Kifshonot là-bas, donc on est obligé d'être excentré, et donc on est obligé de faire appel à la main-d'œuvre qui est à Maharès, et donc c'est pourquoi on est obligé de fermer les yeux quelque part. Donc c'est tellement important que chez l'autre, que le Chomat Yerushalayim ne soit pas Shchora, on est prêt à faire ce genre de choses. C'est incroyable. Alors, Kokar Mevin, Aval Sadar, Kacham. Ouais, Sadar, tu changes de temps en temps, Mayesh. Aïe, Obishat Aregel, Afala Teruma. Pendant les fêtes, on fait confiance même pour la Teruma, Amaes. Pourquoi? Dit la Gemara, Minane, Minane, Marabi, Oshua, Minane, Minane, Marakla. Tiens, répondu pour ça. Vas-y. On a dit qu'ils ne vont pas risquer parce qu'ils vendent, il y a du business à ce moment-là. Ils ne vont pas risquer de rendre contaminé. Non, ça, c'est, tu confonds avec Shahat Agitot, au moment de fabrication. Ça, ce n'est pas un moment de fabrication, ça, pendant les régalim, rien à voir. On est monté à Yerushalayim, quel rapport? Chacun a fait son business et chacun a les poches, elles sont pleines d'argent, ça y est. Alors, Maïesh, alors, dit la Gemara, de Amar Kra, c'est marqué dans le Passouk, voyez, Asef Kol Ish Israël et Laïr Ke Ish Ehad Averim. Là-bas, on ne parle pas de Regalim, Kamouval, mais c'est marqué dans ce Passouk-là, dans Shoftim, voyez, Asef, ils se sont rassemblés, Kol Ish Israël et Laïr Ke Ish Ehad, et la Gemara a été de Rechet, chaque fois qu'il y a une Asifa, un rassemblement, tout le Ham Israël s'appelle Ke Ish Ehad, et les régalim, c'est un moment de rassemblement. Donc, ils sont tous considérés comme Ish Ehad. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont tous un ligne de Haverim. OK. Akatuv Hassan Kulan Haverim. Matnijin, on y va. Ish Ehad, c'est un seul homme. Tous, c'est un seul homme. D'accord. Et pourquoi Haverim? Ouais. Haverim, ok, c'est ça. On n'est pas quand c'est compliqué. Matnitin. Apoteach et habito wa matril beaisato. Algava regel. Zabi Oda Omer, Igmor. Hachamim Omrim no Igmor. Celui qui ouvre sa cruche, pendant les fêtes, il a ouvert sa cruche. Alors tout le monde touche la cruche, hein, la goutte. Et tout, ouais. Bon, ou bien son pain, d'accord. Matril beaisato.
Agav Aregel. Alors maintenant, la fête, elle est finie. Qu'est-ce que je dis? Est-ce que je dis que je continue ma cruche? On me l'a autorisé pendant les fêtes. On continue. Ou bien je dis non. Les mafreya, comme le ramal, s'il a touché, maintenant que la fête, elle est partie, les mafreya, ta cruche, elle est finie. Tu ne peux plus la toucher, tu ne peux plus la vendre, etc. Ça s'appelle tamé. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, j'ai la gmara mahlokt. Rabbi Yehuda omer yigmor. Vahakamim omrim lo yigmor. Rabbi Yehuda, il dit, tu peux finir la cruche. On a commencé beheter. C'est une des choses que la gmara de Masoret Bessa nous dit. Et kilo sofan mishum tchilatan. Je t'interdis de la finir. Parce que si tu la finis, si je ne t'autorise pas de la finir, dit Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'on va craindre? Que le bonhomme va dire, je n'ouvre pas mes cruches. Je vais les ouvrir. On va me les laisser de mes et après, je ne pourrai pas les vendre après les fêtes. Je n'ouvre pas. Tu ne l'ouvres pas. Il n'y a pas de consommation à Yerushalayim pendant les régalim. Ce n'est pas bon. D'accord? Et tiro sofan, je t'autorise après les régalim, mishum tchilatan. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Les hachamim, ils ne sont pas hocheshim laser et ils te disent, tu ne finis pas ta cruche. Gmara. Ils étaient assis les deux à la porte de Rabbi Yitzhak Napha. Patachad Amar. Un, il a ouvert la bouche, on ne sait pas qui, et il a posé la question suivante. Selon Hachamim, sur le Buda, tu peux la finir. Selon Hachamim, est-ce que je peux laisser cette cruche-là? Hachamim qui m'interdit, est-ce que je peux laisser cette cruche-là pour la fête prochaine? Et comme la fête prochaine, tout est à or, eh bien, c'est bon, je peux la vendre. Ouais. Est-ce que ça marche? Amalé Idar, il y a d'accord, mais Mashmishinba, tout le monde l'a touché pendant les fêtes, sur le Hachamim. Et maintenant, c'est tamé, donc même le Hamal, s'il a touché. Et toi, tu veux la laisser pour les fêtes prochaines? Amalé Atou Adaïn, là, il y a d'accord, mais Mashmishinba. Et dit, pendant la fête, il n'y avait pas tout le monde qui a mis sa main et pourtant t'a autorisé. Amalé Achiashta, quelle comparaison, lui dit? Bishlama Adaïn, Atoumata Amal, Beregra Hamana Tahara. La Touma du Hamal pendant la fête, la Torah, elle l'a rendu Tahor, comme on a vu dans le passage précédent. Et la Hachta, mais maintenant, après la fête, c'est devenu Tamé. Le Hamal, tu n'as pas le droit de vendre quelque chose qui est Tamé. Donc, il lui a répondu, tu n'as pas le droit de la laisser pour la fête prochaine. Est-ce que c'est sûr? Dit la Gemara, Nema Ketanae. Peut-être cette histoire-là, cette question-là, selon Hacha, même si c'est une Mahlok Ketanaïn. Vous avez compris la question? Est-ce que je peux laisser la cruche qui a déjà été entamée pour la prochaine fête et la vendre à ce moment-là? Oui ou non? Là, pour le moment, le Hacham, il est resté sur une idée. Non, tu ne peux pas. Juste pendant la fête, c'est autorisé. Après la fête, les mafrères, ça devient tamé. Et donc, c'est devenu tamé. Ça ne va pas redevenir tard pendant la fête. Ce n'est pas bon. Tu n'as pas le droit de continuer à vendre. La Gemara dit peut-être une mahloket tanaim. Nema ketanaim. Il y a une braïta qui nous dit tu la laisses jusqu'à la prochaine fête. Il y a une braïta qui dit tu ne la laisses pas jusqu'à la prochaine fête. C'est pas qu'on parle sur nos hachamim. Et un dit tu peux laisser, et un dit tu peux pas laisser. Donc c'est le mahloket. Ce que pense la banane. Mahloket tanaïm. Maïla ou tanaïm. N'est-ce pas que donc c'est une mahloket tanaïm. La Gemara repousse. Là, non. Adi kataneya nihena. Rabbi Yehuda, la Breta qui t'a dit que tu peux laisser, c'est Rabbi Yehuda. Et la Breta qui te dit tu ne laisses pas, Rabbanan. Les Olam, Rabbanan pense tu ne laisses pas. Et Rabbi Yehuda, il dit tu peux laisser jusqu'à la prochaine fête. Demande la Gemara, Vetisbera. Quoi? Rabbi Yehuda, il va te dire tu laisses pour la prochaine fête. Ah, Rabbi Yehuda, Yigmar Kamar. Mais Rabbi Yehuda, il t'a dit, vas-y, tu l'as fini pendant la. Maintenant, tu n'as pas besoin d'attendre la prochaine fête. Tu peux la finir maintenant, ta cruche. Et là, il y a Rabbi Yehuda. Le contraire. Le Tana qui t'a dit, tu ne la laisses pas, c'est Rabbi Yehuda. Hein? C'est quoi l'Oyanihena? L'Oyanihena, la règle, c'est Rabbi Yehuda. Le Tana qui t'a dit, l'Oyanihena, la banane. Et quand on t'a enseigné, Yanihena, tu la laisses jusqu'à la prochaine fête, c'est la banane. C'est-à-dire, Hakamim, ils te disent, tu peux la laisser jusqu'à la prochaine fête. Mais Rabbi Yehuda, il dit, tu ne laisses pas. Et quand Rabbi Yehuda, il te dit, Yanihena, c'est quoi sa kavana? C'est pas, tu ne laisses pas, il s'est interdit. Au contraire, tu peux tout de suite la consommer. Donc, ça veut dire que selon la maskana de la Gemara, au contraire, on a conclu, selon la banane, contre la mashmaout.
de la mora précédente. Tu peux laisser jusqu'à la fin, jusqu'à la prochaine fête, et tu la vendras à la prochaine fête. Non, tu ne peux pas utiliser après la fin de la fête. Après la fête, c'est pas la fin de la fête. Après la fête, Hakramim, tu ne peux pas l'utiliser. Tu ne la vends pas, tu la refermes et tu la laisses pour la prochaine fête. Tu peux faire ça. Pas comme la conclusion du Hakram précédent. D'accord ? Matnitin. Mishiavar regel ma'averin al tarat azara. Quand la fête est finie, on passe, on purifie la azara. Avar regel le yom shishi. Si maintenant la fête, elle s'est finie le vendredi, d'accord ? Alors, là, ça veut dire avant la règle yom shishi, c'est-à-dire en fait, la fête, elle s'est finie jeudi, et donc vendredi, on peut commencer la purification. Alors, on ne fera pas la purification vendredi. Pourquoi ? Les Kohanim, ils sont occupés pour préparer le Shabbat. Lo yom ha'avirim pnei kvod ha'Shabbat. Rabbi Yehuda omer af lo biyom hamishi. Même si Isru Hag, c'est jeudi. D'accord, quand même si Isru Hag c'est jeudi, eh bien on ne purifie pas, on n'a pas le temps de purifier, on ne purifie pas le Beit HaMikdash, Shein HaKohanim Pnouim, parce que les Kohanim ils ne sont pas libres. Pourquoi? C'est pas écrit pourquoi. Gemara Tana, Shein HaKohanim Pnouim, il est aussi Badeshe. D'accord, parce que comme pendant les Hagim il y avait des korbanot. Brûler, ouais. Mais qui dit brûler, dit descendre. Cendre, elle est énorme. Ouais. Alors, ils passaient leur zman à enlever ça. On n'a pas le temps de purifier le mikdash. Hein? Bien sûr que c'est. Alors, c'est qui faisait? C'est qui? Tu crois que c'est Rinko? C'est Rinko qui faisait? Hein? Ouais, il y a Trumatadesh qu'on faisait tous les jours, il y a ce qu'on appelle le tapouah. On appelle ça tapouah, c'est le rassemblement de toutes les cendres. Une fois que c'est. On laissait exprès, comme ça on voyait beaucoup, comme ça les gens disaient combien de trois portes sur l'euro. On faisait exprès, après les fêtes, on enlevait tout cela. Ah hein? Non, c'est eux qui faisaient. Quoi? Bah, ce qui est le sol, c'est les kelim qu'on purifie, pas le sol. Le sol est taor. Le sol n'est pas mekabel touma. Tana, Matnitin, allez la botaille. Kesad ma'avirin al tarat azara. Matnitin, ta kelim, shayu banodash. Comment on purifie? On trempe les kelim qui étaient dans le mirdash. Par contre, pendant la fête, on disait aux Kohanim qui étaient à Maharès, d'accord, qui venaient, on leur dit, écoutez, Izaru, Omrim Lahem, Izaru, Shelot, Tigro, Beshulhan, faites attention, ne touchez pas la table. Shelot, Tigro, Beshulhan. Pourquoi? Parce que c'est marqué au sujet du Shulhan, les Hempanim, les Fanaï, Tamid, le pain ne doit pas sortir de la table. Donc, qu'est-ce que tu veux? On va tremper, on va purifier la table. Il faut qu'on le sorte, donc il faut qu'on enlève les pains. Mais le pain, il doit être tout le temps là-bas. Alors, on disait au Kohanim, à Maharès, écoutez la bouteille, vous êtes gentil, mais touchez les autres, c'est peut-être pas trop grave, mais pas la table. Parce qu'on ne peut pas lui tremper au mikvé. Parce qu'il faut les hempanim, les falaïtamid. Ah? Ok, voilà. Peut-être dans le cas où il n'y a pas, si la Mishnah part dans tous les cas. D'accord, c'est une chèque à vous poser. Chez l'autre, il y a un bachou le hal. Tu attends, même s'il y a une autre table, le pain, tu vas l'enlever d'une table, tu vas le mettre dans une autre table. C'est un problème. D'accord. C'est que le jour 2, et même là-bas, quand on l'enlève, on enlève un, on met l'autre, il y a toute une procédure. Il y a une procédure à suivre. D'accord. Tous les kelim qui avaient dans le Beit HaMikdash, ils avaient en double, en triple. S'il y a un problème quelconque de Touma, entre temps, il y a un remplaçant. Tous exigent Tvila Chus, Mimizbeh Hazar, ou Mizbeh Hanechoshet. À part les deux Mizbehot,
Misbeh Hazav, c'est là où on fait la ktoret. Misbeh Hanechosh, c'est là où on fait les korbanot. À l'époque de Moshe Rabbeinu, Pene Sheher Kekarka, parce qu'ils sont comme le sol. Misbeh Adama Ta'aselin, Misbeh Adama, tu l'as appelé la terre, tu l'as appelé de la terre. Et la terre, c'est pas Mekabel Touma. Waouh, ça c'est Rabbi Eliezer. Divrei Rabbi Eliezer. Hachamim Omrim. Ils disent parce qu'ils sont couverts. On ne comprend pas. Mais s'ils sont couverts, au contraire, ça doit être Mekabel Touma. D'accord ? Cette phrase-là, on l'expliquera dans la Gemara dans quelques minutes. Gemara. Gemara. Tana. Izaru. Il y a une Braïta qui nous dit Izaru Shema Tivou Beshlochan va Menorah. Ah. Le Tana de la Braïta, il dit même la Menorah. Attention, hein, les Kohanim Améares. Ouais, faites attention et à la table et à la menorah. Bon, la table, on a compris, mais la menorah, on ne comprend pas très bien. Alors, dit la Gemara. Le Tana dit Dan Maitama lo Tane menorah. Le Tana, chez nous, pourquoi il n'a pas enseigné menorah comme le Tana de la Baïta? Réponse Shulchan k'tiv betamid. Menorah la k'tiv betamid. Le Shulchan, c'est écrit tamid, comme on expliquait tout à l'heure. Mais la menorah, ce n'est pas écrit tamid. Ce n'est pas vrai. Même la menorah, c'est écrit tamid. Explique Rashi, c'est pour ça qu'il fait cloma. Même la menorah, c'est écrit tamid. Mais ce n'est pas le même tamid. Il y a tamid. Et là-bas aussi, c'est marqué le mot tamid, mais ça ne veut pas dire que tout le temps. Ça veut dire que ça doit être de manière continue. Même au sujet des nerot, selon Rashi, comme ça, c'est marqué. Les nerot, c'est marqué dessus tamid. Mais c'est marqué quoi? Bon, il y a marqué Tamid là-bas, d'accord, j'arrive pas à trouver dans ma tête. C'est marqué Tamid et la Kavana, c'est que toutes les nuits ça doit être allumé, mais le jour tu peux changer, il est impur, ben tu l'enlèves. Tu le purifies et tu le ramènes. D'accord? Il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi le Tana, chez nous, il n'a cité que la table, pas la menorah. Et le Tana de la Braïta, Veida, qui va dire Tibet Amenara, Nocha Hashulchan, comme c'est marqué que la menorah doit être en face du Shulchan, ça veut dire là où il y a Shulchan, en face d'elle, il y a la menorah. Et puisque le Shulchan, il est toujours là, donc, toujours là doit être aussi la menorah. Par contre, Tana chez nous, qu'est-ce qu'il pense? Donc, Kéma dit Tibatamid, Damid, c'est comme si c'est écrit Tamid, Veidar, et le Tana de la Mishnah, Aoul, il trouve à la Makwam ou Deata. Non, quand on dit une orachan, ce n'est pas qu'il faut toujours qu'il soit présent, c'est pour te dire où est-ce qu'on doit disposer la menorah. Elle doit être en face de du Shlohan. Très bien, demande à Gmara. Mais pour les déclarer, ça a solé Nahato. Elle m'a posé la question fondamentale. Elle dit, je ne comprends pas. Tu es en train de me dire que le Shlohan, on demande au Kohanim de ne pas le rendre, de ne pas le toucher. Amal, c'est pourquoi? De peur qu'il devienne tamé. Mais normalement, il ne doit pas y avoir de Touma sur la table. Il ne doit pas y avoir de Touma. Pourquoi? Il y a un principe. Kli harasu il est Nahat. Un ustensile qui est fait pour être posé et non déplacé. D'accord? C'est pas Mekabel Touma. D'où j'apprends ça? De sac. Au sujet de la Touma, de sac, en tissu à l'époque, ouais, en poil de chèvre. Eh bien, ça se déplace. Malé Verekan, vide ou plein, ça se déplace. Ça, c'est Mekabel Touma. D'accord? Et le reste, le bois, il a été. On cache les sacs. Il y a un cache entre le bois, la table a été faite en bois, et le sac. De la même manière que le sac, il se déplace, Malé Verekan. Même le bois, les ustensiles de bois, on peut les déplacer malgré les cannes. Dans ce cas-là, c'est Mekabel Touma. Sinon, non. Si vous prenez des ustensiles énormes, des armoires, si tu remplis l'armoire, tu peux la déplacer, je dis la déplacer, elle se casse. D'accord? Donc, si tu la déplaces pleine, ça se casse. Donc, ce n'est pas Mekabel Touma. La table, la même chose. La table, c'est fait pour être posée et pas déplacée. D'accord? On ne le déplace pas. C'est la raison pour laquelle ça ne doit pas être Mekabel Touma. Qu'est-ce que tu racontes, la Mishnah, quand tu me dis attends, dis au Kohanim, ne touchez pas la table, je ne sais pas que c'est tamé. Mais même s'il touche, ce n'est pas tamé. Mayesh. Voilà pour ça la Gemara.
Tout ustensile qui est fait pour être posé et non déplacé, ça devient pas impur. Maïtama, quelle est la raison? Doumia de sa Bainan. J'ai besoin que ça ressemble à ça. Masak mitaltel malevelekan, afkol mitaltel malevelekan. De la même manière que ça, que ça se déplace plein et vide, la même chose, tout ce qui est mekabel touma doit se déplacer plein et vide. Aïe. Pour répondre à la Gemara, même la table, elle se déplace plein et vide. Pourquoi? Pourquoi la Torah l'a dit sur le Shulchan qui est tahor? S'il est tout le temps tahor. Si tu dis qu'il est tout le temps tahor, pourquoi tu dis à la Shulchan à tahor alors? Et la ma, miklal sheutame. Donc, j'apprends de là qu'il peut lui recevoir la Touma. Et bien, maître, pourquoi il peut recevoir la Touma? Alors, on a dit, El mitatem el velkan. Réponse. Ve amai, kliyaes asulina khatu. Ve nomer kabel Touma. Et là, melamed, non. Je viens t'apprendre. Chez Magbin, Oto, Marin, Bol, Oler, Galim, Lechem, Apanim. On soulève la table et on la montre à ceux qui montent au Bet Amirdash pendant les fêtes. On dit, regardez, Chibat Krem, Lifne, Amakom. Combien Kadosh Baruch Hu vous apprécie? Vous voyez la fumée qui sort des pains? Ouais, ça fait 5 jours qu'on les a cuits. D'accord? Omar in bo le olé le galim le hamapanim vomim lahem. Reu hibatchem lifne amakom. Siluko ke siduro. On récupère, quand on récupère les pains, ils sont aussi chauds et fumants. Ouais. La ville, quand on a une bonne baguette chaude qui sort du. Ouais. Ouais, c'est autre chose, hein? La même chose. Là, on voit le lechem apanim quand on les retire de table, comme au moment où on les a disposés. Nes gadol na'asa b'lechem apanim, un grand miracle était fait dans lechem apanim, et siduro, kach siluko. Au même moment, hein, c'était de la matzah. Le matzah, il y avait une certaine forme. D'accord. Bon, c'est pas notre maçon à tonneau qui sont durs. Ouais, c'est pas ça. Kessiduro, kar siluko. Comme on les a mis, au même moment, c'est-à-dire, ils sont au moment où on les retire, comme au moment où on les a déposés. Chez Neymar, pas que je ne suis pas, ils sont encore chauds. La soum lechem ham beyom ilakho. D'accord. Au moment où tu prends le pain, tu prends quoi? Lechem ham, un pain chaud. Petit pour les. Ah, c'est pas bon. Et Alain Yachatène, quel rapport? Ah, c'est celui-là. Alors. Tu veux chercher, je vais te montrer. Je te donne la mécor. Regarde. Chez moi, de Kafza et Kaf. Shemot Kaf Zayin, regarde dans Shemot. Ouais, Shemot Kaf Zayin Kaf. Regarde ce que tu trouves là-bas déjà. Alors, je continue. Veti pokle mishum sipuy. La Gemara demande. Et pourquoi tu dis pas que c'est Mekabel Tum'a à cause. Alors, c'est ta mine. Voilà. Veti pokle mishum sipuy. Pourquoi tu m'as dit que le problème, c'est parce que les pains, tu le lèves, tu ne le lèves pas. Mais il y a un autre problème. Puisque le shulchan était recouvert d'une couche d'or, ouais, eh bien, même si c'est un kli asul enahat, à cause de l'or, ça devrait être mekabel touma, parce que l'or, lui, il n'a pas ekesh avec le sac, d'accord? Le tipur le mishum sipuy de'atna an shulchan wadul paki, shinifhitu o shechipan beshaish. Shulchan, c'est la table. Dul paki, c'est quelque chose. Rachid définit comme une sorte de chaise qui se plie, d'accord, avec une couverture de peau. Si maintenant ils ont été diminués, cassés, ou bien on les a recouverts d'un marbre. Donc maintenant ils ont le statut du marbre. D'accord? Si toutefois, le marbre ne reçoit pas la touma, c'est de la pierre. Si toutefois, Shier ben makom anachat kosot, tu as laissé dans la table, on va parler de la table par exemple,
un endroit où je peux, dans l'ancienne table, déposer mon en bois, déposer. Alors, imaginez-vous ici, j'ai mis du marbre, tout ça. Mais là, j'ai laissé, je peux déposer un verre là. C'est Mekabel Touma. Ce sera Mekabel Touma. Hein? Oui, tout, tout. D'accord, je n'arrive pas, mais je n'arrive pas, Makom Anahat Kosov, Tamé. Rabbi Yehuda Omer, pas que ça ne suffit pas à l'endroit du verre, Makom Nahat Hachichot. Là, j'ai dit, tu peux mettre le pain et la viande. D'accord? Un endroit un peu plus Hachouf. D'accord? Donc, en tout cas, je vois de là que s'il n'y a pas d'endroit, tout est couvert. Ça a le djinn de la couverture. Or, dans notre cas, nous, c'est le contraire. La couverture, c'est une couverture d'or. Donc, l'or, recevoir le touma, la table de recevoir le touma. Non. La table du Beit HaMikdash a été faite en bois de cèdre. C'est tellement important que le sipouille, c'est lui qui est battel par rapport à la table, pas le contraire. Oui, si tu oses répondre comme ça, ta réponse ne marchera que selon le Shlakish. Je ne sais pas comment il faut le lire ce mot-là. Arsalgim. Comment ils l'ont écrit là-bas? C'est quoi Kli Arsalgim? Ce sont des Kelim Khoutim, des Kelim Pachashuvim. Abaim Mdinatayam, qui viennent en dehors de l'Israël. Aval Bekli Masamim. Ce sont des ustensiles importants. Lo batle. Pour les Shlakish qui te dit c'est vrai, je regarde la base de l'ustensile, s'il est important ou pas. Et s'il est important, le sipouille, il ne gagne pas. Bonne réponse. Et là, le Rabbi Yohanan, de Amarafilo Beklim Asamim, Nami Batle. Mais si tu dis, selon Rabbi Yohanan, mais selon Rabbi Yohanan, que lui pense, même si c'est Hachouf, je regarde le sipouille. Qu'est-ce que tu as à dire? Et si tu vas me dire non, ça dépend. Il faut faire une différence. Pour la Biohanan, on va répondre comme ça. Ça dépend. Si le sipouille, il est juste posé, qu'il ne tient pas, ouais, ça, ce n'est pas batel. Ça veut dire le sipouille, il est batel. Mais si le sipouille, il est fixé, alors là, il est important, le sipouille. D'accord? Alors, dit la Gemara, une seconde, je vérifie que c'est bien comme ça, pas à l'envers. Voilà. Et avec ça, comment tu vas me répondre? Tu vas me dire que dans le Beit HaMikdash, le sipouille, il était pas en maître. Et donc, c'est pourquoi la table, c'est elle qui gagne. D'accord? Il n'était pas en maître, il était juste déposé. Si tu oses, et, là, et donc, puisqu'il est juste déposé, il est battel par rapport à la table. Et donc, Mim est là, je comprends pourquoi ce n'est pas Mekabel Touma, si ce n'est la raison qu'on montrait les pains, comme on a vu là-haut. D'accord? Si tu oses me répondre comme ça, mais le Shakish, il a posé une fois la question à Rabbi Yohanan. Est-ce qu'il y avait une différence? Et le Biohana lui a dit, il y a zéro différence. Quelle question il a dit? Bessipouy omed ou bessipouy sheno omed? Bechofé et les vases vazav ou bécheno chofé et les vases vazav? Chofet, ça, c'est les vases, tu voyais là, la partie épaisse de la table. C'est-à-dire, moi, j'aurais dit que quand tu ne couvres pas ça, ce n'est pas important. Quand tu ne couvres pas ça, ce n'est pas important. Et quand tu couvres, c'est important. D'accord? Est-ce qu'il y a une différence entre ça et ça, couvert et pas couvert? Qu'est-ce qu'il a répondu à Rabbi Yohanan? Va malé lochna be sipui omed, lochna be sipui shen omed, lochna be chofet levazazav, lochna be shen chofet levazazav. Aucune différence. Donc, ça veut dire que selon Rabbi Yohanan, l'éolam, le kisui, le hipui, il est important, il est mekabel touma, donc ça doit être mekabel touma. Pourquoi tu as eu besoin de dire la raison? C'est parce que tu lèves la table et tu montres. Mais c'est en or, là c'est en or. Ouais. Et pour la Gemara et la Shani Shulchan, de la Hamana Kaliere, c'est différent la table. La Torah, elle a appelé, bien qu'elle ait le sipouille en or, elle a quand même appelé la table de bois, pas table de loi, table de bois.
Ça veut dire que c'est la Torah l'appelait comme ça, c'est-à-dire le sipou ici n'est pas considéré exceptionnellement parce que la Torah, elle a appelé table de bois, bien qu'il y a une couverture en or. Où est-ce que j'ai vu que la Torah l'a appelé ainsi, dit-il ? À Mizbeah, Aes Shalosh Amot Gavoa. Le Mizbeah, attention, regardez bien qu'on ne parle pas ici de la table, on parle du Mizbeah. Un Mizbeah, Aes Shalosh Amot, c'est un bois qui fait 3 Amot, Gavoa, d'auteur, Veolko Shtaim Amot, sa longueur de 2 Amot, Omirso Taolo, des extrémités, Veolko, sa longueur, Verkirotao Aes, ça fait de bois, voilà, Verkirotao Aes. Vaidaber Elai, Zéachulhan, Achalif, Neadonai. Vous savez pourquoi on dit cette phrase-là avant de fabriquer Amazon? Vous allez voir tout de suite. Vaidaber Elai, Zéachulhan. Donc tu as vu que le Shulhan, on l'appelait Shulhan Be Shelares. Shelares. Donc bien que c'est en or, on a quand même appelé ça Aes. Très bien. J'ai une question. Patar ben Misbeh, ou Siyem ben Shulchan. Tu as commencé au début du passage, tu m'as parlé du Misbeh, à la fin du passage, tu me parles du Shulchan. Rabbi Yochanan ou Resh Lakish, le Hashem, ils ne sont pas Holkim. De Amre Tarwayu, Bizman chez Bet Amirdash Kayam, Misbeh Mechaper. Quand le Bet Amirdash est là, le Misbeh, tu amènes ton Korban, il est Mechaper Alecha. Il te pardonne les fautes. Mechaper Aladam. Achshav, maintenant qu'il n'y a pas de Mizbeah, Shulchano shel Adam mechaper alav. Hein? Et il y a de comment? Shulchano shel Adam mechaper alav. La table de l'homme, c'est elle qui lui fait comment? Comment? C'est pour ça qu'on dit juste avant, Zéa Shulchan Hashem, Hashem, pour apprendre ça de Pasuk là, pour t'apprendre que les animes, ils viennent, tu leur donnes le pain de ta table, c'est ça qui engendre ta kapara aujourd'hui. Comme ça, il dit la chi. D'accord, quand je suis introduit. Quand je continue vite, quand on va envoyer étudier là-bas. La suite de la Mishnah, elle a dit quoi? Elle a dit que le Mizbeh Hazav ou Mizbeh Hanechoshet, ils ne sont pas Mekabim Toumam, ils peinent chez qui est Karka. Où est-ce que tu as vu qu'il s'appelle Karka? Dis la Gmara, Mizbeh Hanechosh et Dirtiv, Mizbeh Hadama, Taaseli. Donc c'est la terre. La terre, ce n'est pas Mekabel Touma. D'accord? Mizbeh Haza, d'où je sais que lui, il n'est pas Mekabel Touma. Dirtiv, Hammenora, ou Mizbeh Hot. De quel Mizbeh on parle? Les deux. Ça veut dire qu'il y a un mot qui a attaché les deux Mizbeh Hot. De la même manière que Mizbeh Hanechosh, qui est Mizbeh Hadama, il n'est pas Mekabel Touma, même l'autre Mizbeh, on a mis les deux dans le même sac, il n'est pas Mekabel Touma. Il trouche Mizbeh Hot, Zé, la Zé. Point. Allez, encore une petite phrase. Vahachamim Omrim, Mipene Shen Besupim. Demande à Gmara Draba. Je ne comprends pas ce que Hachamim vous dit. Parce qu'ils sont couverts, alors ils ne doivent pas être Mekabel Touma. Au contraire, puisqu'ils sont couverts, donc ils devraient être Mekabel Touma. Adraba, qui wandem supin ninhu, mitmeu, shia. Et pour la Gemara, Emma, wahakamim metam in, ipene shehem mesupin. Ne crois pas que Hakamim sont venus donner un autre argument de Tahara, comme l'a fait Rabbi Eliez. Non, le contraire. Hakamim ira entamer le Mizbeh Hazav. Mizbeh, pourquoi? Parce qu'ils sont recouverts. Première réponse. Et comme ils sont recouverts, ils sont mekablim tum'a. D'accord? Pas comme on l'a dit là-haut. D'accord. Mais Baitema, une autre raison, une autre réponse. Rabbanan et Rabbi Eliezer Amré. Rabbanan y parle selon Rabbi Eliezer. Maïdartir, Mishum de Mesupin. Mivtal Batil Sipuyan Gabayu. Quelle est la kavana? Pourquoi Rabbi Eliezer, tu as cherché le pinceau de Mizbeh Hadama? Pour dire que ce n'est pas Mekabel Touma. Et après, tu as fait Erkesh. Pourquoi tu as été si loin? Parce que tu avais un problème. C'est quoi le problème que tu avais? Tu as dit, mais je ne comprends pas. Il y a un sipouille. Comme il y a un sipouille, alors ça doit être Mekabel Touma. C'est pourquoi j'ai eu recours au Mizbeh Hadama Taaseli. C'est pour ça. Mais Chacham, tu n'as pas besoin. Mivtil, batil, sipouille, angabayo. Leur sipouille,
il est battel par rapport à eux-mêmes. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Les quelques milliers qui nous restent, on les fera Bezat Hashem dans à peu près 40 minutes. Hazak ou Baruch? Oui.